Salut tout le monde, c'est Sandy30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Paper Mario Color Splash. Alors, la dernière fois, on avait ouvert... Enfin, on n'a pas ouvert encore. On va l'ouvrir aujourd'hui, mais on va ouvrir la tour cramoisie. Mais tout d'abord, on va aller acheter des petites cartes. Parce que voilà, j'ai envie d'acheter des cartes. Ça fait longtemps. Et puis, s'ils nous proposent de nouvelles cartes, ça va être cool. Ah, Mario, bienvenue! Nous avons des cartes de combat haut de gamme à te proposer. Tu vas les adorer. Vas-y, entre! Et prends tout ton temps pour choisir. Eh ben, nickel, voilà. Mais pile quand je veux aller acheter des cartes, on me propose des nouvelles cartes super cool. Eh ben, voilà. Bienvenue à la carterie. Moi, je vais vendre. Alors, on aura besoin... Enfin, j'aimerais bien acheter ça. Ouais, on va en acheter 10. Ouais, j'ai beaucoup d'argent, donc j'en profite. On va en acheter 10 aussi. 10. What? C'est gênant, mais on dirait que tu n'as pas cette pièce. What? Attends, il m'a détruit toutes mes pièces. Oh l'enfoiré. Oh non, mais j'ai plus de pièces. Attendez. Bon, attendez. Non, je voulais pas détruire toutes mes pièces. J'ai fait n'importe quoi. Quoi? Attends, ça vaut 100 pièces, ça? Une fleur de feu, ça vaut 100 pièces. Passez ici les éléments à vendre. Mais attends, mais je vais vendre mes pièces, bien sûr. Enfin, je vais vendre ça. Voilà, ça, on s'en fiche. Bah, en fait, je vais en prendre deux de chaque. Bah non, en fait, c'est bon. Parce que je crois que je me suis affolé, là. J'ai tout pris. Voilà. What? Les cartes trucs, ils me les donnent qu'une pièce. Ah, voilà. Bon, on va envoyer les champignons. Parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Et voilà. Je pense qu'on a tout fait. On va tout vendre. Et voilà. C'est bon. On a retrouvé nos pièces. Non, il me faut rien, merci Todd. Allez, on se tire. Bon, ben très bien, il m'a chouraffé toutes mes pièces. Bon, c'est pas grave. Alors, nous, on va aller à la tour cramoisie, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut ouvrir le passage. Et donc, voilà. Donc, on avait fait tout ce qui est jaune. Mais là, pour l'instant, on est bloqué parce qu'il nous faut repeindre un énorme château. Et donc, voilà, on n'a pas les moyens encore. Donc, voilà. Alors, tour cramoisie, 4%. J'ai pas fait grand-chose parce qu'on était bloqué dès le début. Mais voilà, c'est quand même bien. Bon, à mon avis, on va battre un gros boss. Moi, c'est moi qui vous le dis. Alors... Voilà, nos petits Toads, ils sont là. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai récupéré le Toad rouge. Mario, nous t'attendions. Les trois élus sont réunis. Il est temps d'accomplir notre destinée. Poulouf. Mon Dieu. Ces Toads vont mourir. Oh là. Mais rien ne se passe. C'était pourtant écrit. Enfin, c'était écrit pourtant. Nous ne pouvions pas échouer. Tout ce que nous méritons, c'était un bon coup de sur la tête. Et Mario, tu pourrais peut-être nous stimuler un peu, un grand boom devrait faire l'affaire. Bon, tiens. Oum! Ah d'accord, ok. Waouh! Et attention, le dernier... Justice! D'accord. Lui, c'est vrai que c'est le Toad justicier. Mais j'espère qu'ils vont pas mourir que ces Toads. Oh non, les pauvres! Oh, voilà. Et ils viennent pas? Ça marchait! Mais les Toads élus sont... On en payait le prix. Merci pour votre sacrifice, Toad élu. J'ai parlé de vous à mes petits-enfants et aux cousins de mes arrière-petits-neveux. Ah, ils sont toujours là. Oh oui, on est toujours en vie. Affronte ton destin dans la tour cramoisie. Puisse la justice te guider jusqu'à la grande étoile de couleur. Bah, très bien. Non, bonne chance, Mario. La tour cramoisie t'appelle. Récupère la grande étoile de couleur au nom de la justice. C'était qui là, déjà le Toad jaune? Ah oui, c'était celui qui gardait la porte, c'est vrai. Du Mont Citron, c'était lui. Alors, oulala. Ouh, je le sens pas, cette tour cramoisie là, je sais pas vous, mais. Déjà rien que le nom. Hein, quoi? Oh là là, mon Dieu. Oh. Ah, ils ont tout pris. Ils ont pris toute la peinture. Qu'est-ce qui s'est passé? Mario, ça. La couleur a entièrement disparu. C'est une véritable tour d'ivoire à présent. Oh là là. Oh le pauvre, regardez, il est triste. Qu'allons-nous faire? On ne pourra jamais repeindre.
on ne pourra jamais la repeindre avec un simple petit marteau. Déjà qu'un marteau, c'est pas fait pour ça à la base. Mais là, c'est fichu. Fin de l'histoire. Rideau. Hein, Mario, regarde! Oula! Ok, eux, ils te prennent les... Bah, j'espère qu'ils vont pas tomber dans le truc, ça serait bête. Ok, l'escalier qui a pété la tronche. Oula, bateau de Bowser, ça sent... Oula! Ah là là, mon Dieu. Ils sont pas très... Bande de marins d'air doux! Bande de marins d'air doux. C'est quand même pas compliqué de de penser à remonter l'ancre. Excuse-moi. Oui, toi en bas. Tu crois que tu pourrais détacher notre ancre, s'il te plaît? D'accord. Très bien. Je pensais que c'était Peinturion, en fait, qui disait ça. Ça, je peux pas le casser? Bon, très bien. Mais j'espère faire la tour cramoisie dans ce truc. Oh, mais ils l'ont attaché avec du scotch. Mais quelle bande d'abrutis. Mon Dieu. Alors, bon, mais Mario, il va se faire emporter s'il va là. Mais il faut réfléchir un peu. Oula. Plus l'encre, elle est en carton, elle passe pas 3 tonnes. Oula. Allez, Mario, vas-y, monte. Le pauvre. Bah, j'espère qu'il va pas tomber comme le Toad Justicier. Oula. D'accord. Bon, c'est pas vraiment la tour cramoisie là. Hein. Tout va bien, Mario? Nous sommes à bord du bateau volant. C'est sur notre chance. Il faut prendre le contrôle du navire et récupérer le seau de peinture. D'accord. Bon, on va faire ça alors. What? Il y a grave de monde. Mon Dieu. Vous avez vu tout ce monde? Bah, écoutez, c'est le moment d'utiliser notre petite fleur de feu. Voilà. Oui, on trouve toujours une utilité aux items. Alors, action. Allez, vas-y. Transforme-toi. Alors, maintenant. 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 Et voilà. C'est mon premier excellent avec la fleur de feu. Et voilà. Bonus parfait. Ben voilà, on les a démontés. Il fallait pas me saouler. Oula, ils nous ont donné grave de choses. Bon, et il faut qu'on monte le marteau dans cet épisode-là. Ça va plus. Bon, quoique le marteau, en fait, les couleurs, ça nous gêne plus comme au début du jeu. Oula. Ça, c'est tombé, d'accord, très bien. Ah, ok, on va pouvoir monter. Mais... Enfin, on va pouvoir passer là-bas maintenant. Ok, très bien. Alors, ça. Très bien. Waouh, il y a un truc à pic. Waouh, on est tombé, d'accord. Très bien. What? Qu'est-ce que c'est? D'accord. En fait, je cassais les caisses, mais en fait, on peut monter. Très bien. Mario? Comment tu as fait pour monter à bord? On a un passager clandestin, les gars. Attrapez-le! Mais non. Bon, heureusement qu'ils n'ont pas d'initiative, parce que j'imagine même pas les dégâts. Sauf que, les gars, excusez-moi d'être si méchant avec vous, mais le problème, c'est que j'ai une fleur de glace. Enfin, j'avais même une fleur de feu, mais je préfère varier un peu. Allez, pas si mal. Bien. Super. Excellent. Bon, bah, il y en a un qui ne mourra pas. C'était le masque à cellules. Bon, qui me fait un dégât, le masque à cellules, mais c'est pas très grave. Vous savez quoi? On va le terminer avec un... marteau Valdingo. Attention, on va faire un excellent, on va essayer. Et super, bon, super. On peut pas avoir tout, hein, non plus. Et voilà! Bon, maintenant on peut reprendre le contrôle du navire. Oh là. C'est pas bon, dis donc. On aurait peut-être dû épargner le pilote, qu'est-ce que t'en penses? Peinturion, tu sais conduire, toi, les bateaux volants? Bon, je vais tenter de stabiliser le bateau volant. Occupe-toi du seau. Il doit y avoir un interrupteur ou quelque chose pour le décrocher. Oui, allez. En plein sur... Oula. 5, 4, 3, je suis là. 2, 1, explosion du navire. Maman! Oula. C'est quoi ça? Oh bah, mais qu'est-ce que je dis? Explosion du navire. Je suis mort de rire. Ouais, ben voilà. Et ça, c'est la tour cramoisie, ça. On dirait un plot de circulation. Mais bon. Enfin, un plot de circulation. Non, ça se dit pas, ça. C'est un plot. Vous savez, les plots orange, là? Ben, c'est un plot rouge. Heureusement qu'ils sont en papier, hein, parce que sinon, le vrai Mario, là, il aurait eu cher. Il aurait pris cher. Pourquoi mettre un bouton autodestruction à bord d'un bateau volant? J'espère qu'ils vont virer l'ingénieur. Enfin, tout est bien qui finit bien. La tour cramoisie porte à nouveau bien son nom. Ok, traversons le pont et entrons dans la tour, récupère la grande étoile de couleur.
Bon, j'espère que le pont va pas se détruire. Hé, Mario! Oh, c'est Guy Stod. Le voilà, le pont de la tour cramoisie. Ce pont suspendu est une merveille de Libarbouille, sans aucun doute. Ah, mais c'est le constructeur. Vas-y, Mario, traverse-le. J'ai hâte de le voir balancer au rythme de tes pas. Il me fait délirer ce tas à chaque fois. Il est omnubilé par le par des ponts, quoi. Des ponts. Oh. Ça a l'air pas trop commode, ici. Bon, tu veux venir, toi? Viens. Viens. Voilà. Bien joué. Alors, j'espère qu'il est tout seul. Ah non, pourquoi j'ai fait ça? Nickel. Bah alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, vous savez quoi, on va faire ça, hein. Non. Non. Alors, voilà, on colorie quand même, parce que sinon, c'est la carte, elle devient toute blanche, elle fait pas de dégâts. Bon, vous avez vu, un pauvre coup de marteau au début, ça leur fait la moitié de leur vie. Regardez, je suis sûr que là, je le one-shot. Voilà, vous avez vu, je le one-shot. Voilà. Et le dernier. Voilà. Un pauvre coup. Et voilà. Bonus parfait. Nickel. Bon, j'espère qu'on va récupérer vite nos pièces. Oh, mais regardez, il nous manque beaucoup notre marteau, ces pauvres petits Goomba, là. Et hop, hop, hop. Vous avez vu, les semi-tours, on en a plus beaucoup, maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? What? Hein? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Morton! Il est un peu bête. Qu'est-ce que je fais, là, déjà? Ah ouais? La grande... La grande étoile de couleur, faut que je la trouve. Faut que je la. Faut la trouver au plus vite. Et vite fait. Enfin, faut la trouver et vite fait. Qu'est-ce qu'il fait? N'importe quoi. La grande étoile de couleur? La. Il a dit quoi? La grande toile de couleur? Enfin, j'ai pas vu ce qu'il a dit. Il veut sans doute parler de la grande étoile de couleur. J'imagine qu'elle se trouve au sommet de la tour. Allez, on monte. Mario, on attend. Mario, attends. C'est-il que la grande étoile de couleur est ici? Et puis, c'est qui ce sale type d'abord? Oh là là, non mais... S'il vous plaît, pas de entre nous. Alors, voilà, le petit marteau. Bon, c'est bien, on récupère des cartes. Ça, c'est parce que... Ça, c'est le grand boss va arriver. Vous allez voir, on va pleurer. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Gakamek, encore. Il va se... What? Il a un shield, lui. Il y a Kamek encore qui va revenir. Oui, oui, oui. Allez, transformez tous mes trucs en sommiteux. Voilà. Ah, non. Ok, il a retourné mes cartes, en fait. Très bien. Bon, ben... Enfin, attendez. Il me dit de remplir cette carte. Ok. Je sais pas quelle carte j'ai... Ah, ben j'ai utilisé... Bon, j'ai utilisé deux cartes super, quoi. J'aurais pas dû utiliser celle-là. Super. Et voilà. Bon, le excellent, j'aurais pu le faire, mais bon. Bonus 300. Pourquoi bonus 300 pièces? Bon, je suis content. Je suis content d'avoir eu 300 pièces, mais quand même. What? Mais arrêtez, mais ça suffit. Regardez tous ces trucs, là. Tous ces méchants. Voilà. Enfin. Alors, ici, on repeint. En fait, mais comment ça se fait que Morton, puisque c'est un des mecs... Enfin, j'imagine que c'est à cause de Bowser qu'il y ait plus d'étoiles, comme ça. Donc, comment ça se fait que Morton, qui soit un des sbires principaux, entre guillemets, de Bowser, eh ben, il n'est pas au courant. Enfin, c'est un peu bizarre quand même, vous en conviendrez. Bon, par contre, les fleurs de glace et de feu, elles auront été très utiles, mais je les ai utilisées. Alors, voilà, pas mal, bien, super, excellent. Bon, vous avez vu, ils deviennent tout congelés en glaçon. Enfin, un glaçon, vite fait, hein. Parce que c'est pas vraiment un glaçon. Et voilà le sommiteux. Allez. Le petit sommiteux. Allez, dépêche-toi. Voilà. Vous avez vu, on voit son truc derrière. Enfin, sa silhouette. Et voilà. Bon. Pas bien dur ce combat. Hein. Les Goombas, Morton, il faut. Enfin. Mais non, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est quand même bizarre que Morton ne soit pas au courant alors que c'est un des sbires principaux de Bowser, quoi. Vous avez vu, on voit sa deuxième silhouette là-bas. Alors, voilà, nickel. Et le double saut, ça fait depuis le début du jeu qu'on en a pas eu, en fait. Alors, et on peut rentrer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oula. Oh non, me dites pas qu'il faut que je les démonte, quoi.
Oh non, mais encore, il y a qu'un mec là, non, s'il vous plaît, quoi. Il faut vite que je regarde mes cartes avant qu'il me les transforme. Alors, voilà, on a double saut là. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh non! Oh non! Oh non! What? Oh pardon! Il ne reste plus que 6 cartes pour récupérer les autres. Tu vas devoir remporter le combat. Autant dire que c'est fichu. Attendez, là le problème c'est que. Il y a un bouton pour fuir. Je ne le savais pas. Et de deux, il a. Comment dire? Il a chargé toutes mes cartes. What? Ah oui, c'est toutes mes cartes. Je suis bête. Oui, c'est toutes mes cartes. Je me dis, what? Il m'a donné pas une carte le truc. En fait, non. Alors. Voilà. Nickel, bien joué. Bon, Kamek n'est pas rentré dans le combat, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, il y a un bouton pour fuir. Il est juste sur mon gamepad, en fait. Ouais, fuir, il y a marqué. Bon, très bien. Bon, toujours ça à savoir. Alors, on va faire un... J'essaye de faire un excellent. Merde, j'ai fait un bien. Lutte. Et le petit 1. Bon, j'ai fait une carte. Autant dire que il allait pas me faire beaucoup de dégâts. J'ai pas un saut miteux, là. Ah, j'ai un marteau miteux, c'est mieux. Non, voilà, je rends. En fait, si vous voulez, quand, par exemple, si je mets une carte, par exemple, le marteau que je l'utilise, mais que je tue tous les ennemis avec ma première carte, la deuxième carte que je fous, eh ben, elle va être perdue à tout jamais. Et ça, c'est bête. Ouais, parce que ben, on l'utilise pas, la deuxième carte. Donc, c'est dommage de l'enlever du deck. Ouah, c'est un accordéon. Ah non, c'est un espèce de jeu. Vous savez, comme... Enfin, petit, je sais que j'avais ça. En fait, ça, tu les fais dévaler des escaliers. Oh, sérieux, quoi. Allez, sors. Ils veulent pas me foutre la paix, ces Goombas, là. Bon, allez, on va fuir pour la première fois. Ah, quoique. Ouais, j'ai pas trop envie. Non, j'ai pas envie. Voilà, on va les détruire à coup de sommite, c'est bien. Voilà. Alors, bon, par contre, après, j'aurai plus de... Plus d'encre, mais... Enfin, plus d'encre. Je me crois dans Splatoon, oui. Non, j'aurai plus de peinture, mais bon, ça, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est que ça nous fait des excellents. Comme ça, sur la place, ben, on pourra ouvrir le drapeau qui nous demande de faire 200 excellents. 200 commandes excellentes, ouais. Parce qu'en fait, les marteaux, c'est des achievements, en fait, du jeu. Et donc, par exemple, là, il fallait acheter 200 cartes à la boutique. Donc, j'ai bien fait d'en acheter. Mais c'est super cher, la boutique, hein. Par contre, il faudrait qu'ils revoient ses prix, l'autre, là. Enfin, vous en souvenez, quand on est allé pour la première fois dans la carterie, il y avait l'assistant du Todd qui gérait la carterie qui a dit « Oh !» Quand je l'ai recoloré, qui a dit « Oh, on arrête les arnaques, maintenant !» Et ben, finalement... Bah ils ont... What? Marteau x2? Ah bah c'est la première fois que j'ai cette carte. A chaque chapitre c'est bien, on a des nouvelles cartes, écoutez. Marteau miteux x5? Et c'est pas mal ça. Voilà. Voilà. Nickel. Et un marteau Valdingo. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah on monte, c'est bon, on est monté tout en haut. Oh, il y a encore des choses. Oh là là, tu peux pas me saouler, Non mais sérieusement quoi, il y a toute la population qui vient quoi. Oh non, je vais pas faire tout ça. Hein. Vous déconnez. Je vais pas utiliser mon marteau au mythe x5 juste pour vous quoi. Ah, par contre je peux utiliser un masse-paille rouge. Ah non, non non, j'ai pas trop envie en fait finalement. Ah par contre ça je peux utiliser. Non, voilà, retour. Alors je sais pas si par contre ils ont des shields les Koopas. Je suis, enfin les masques du coup je suis pas sûr que ça marche sur eux. Bon, on verra. Attention, attention. Non, je pense pas. Ah, si. Oh, mais... Koopa, quoi. Sérieux. C'est pas sympa, hein. Il est revenu vers moi. Ok. Et donc, voilà. Hop, 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 hop. On reprend tout. Nickel. Voilà. Ça, c'est des petites pièces en plus. Ça fait tout... Ça fait pas de mal. Voilà. Comme ça, je regagne des sauts pour le combat. Parce que on va battre un boss, je vous le dis. Parce que sur l'écran de du monde, sur la carte, il y avait c'était pas une étoile normale qu'on avait, c'était une grande étoile. Donc, à mon avis, ça sent le boss. Bon, ça, on va fuir, hein, parce que je suis désolé, mais j'ai pas le temps pour vous. On doit rester appuyé, d'accord, très bien. Action. Je dois faire quoi? Ah oui. Ah oui, c'est vrai, il faut que je spamme le bouton. Oh purée. Mon dieu.
Ok, bon, je veux fuir, s'il vous plaît. Vous me laissez maintenant? Allez. Allez, vite, 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 vite. Voilà, c'est bon, je me suis en allé. Ouf. C'est bon, enfin, ils s'en vont, quoi. Ouf. Alors, là-bas, qu'est-ce que c'est ça? Marteau Valdingo, encore, très bien. Oh non, s'il vous plaît, quoi. What? Ok, ça va aller doucement, par contre. Oui. Mais attendez, comment je peux faire, là? J'ai pas un truc. Attendez. Si je... Ça va pas les ralentir? Si, ça va les faire tomber, je pense, si je mets de la couleur. Ça va pas les faire tomber, un truc comme ça? Voilà, 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 voilà. Et nickel. Est-ce que ça va les faire tomber? Bon, normalement, avec la logique, si je saute, ça devrait... ben, ça devrait, en fait, marcher. Ok, bon, ce n'est pas le... Ça ne marche pas, donc... comment je peux faire? Ah, c'est comme ça! Non. Attendez, comment je peux faire? Ah bah très bien, voilà. D'accord, ils sont venus tous vers moi. Très bien, je n'avais pas demandé ça. Bon, 4, ils sont 4. Et, ben, écoutez. Bon, ça c'est un combat pas très intéressant. Bon, on va utiliser ça, très bien. Ouais, la première, une des cartes que je viens d'avoir, je les utilise pour eux, quoi. Allez. Non mais ça dégage tout ça, là. Voilà, nickel. Enfin, quoi. Merci. Foutez-moi la paix. Et voilà, enfin. Hop, 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 on reprend tout ça. En plus, il nous... Bah, quoique, en fait, quand je vous ai dit que bah, la couleur, bah, c'est plus comme au début du jeu, finalement, en fait, non. On a toujours besoin de la couleur. Donc, voilà. Alors, on va aller là-bas. 2 secondes, tac, 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 ici. Ça, c'est quoi, ça? Ah, encore une carte. Et une Maxi Marteau. Bah, c'est très bien, ça, Maxi Marteau. C'est super. C'est Maxi Marteau. Ok. Mais je sais que dans Sticker Stack, il y avait des grandes cartes comme ça. Ah. Oh. Je faisais comment la voix? Ah. Ah, oh. Ah. Bonjour, noble sire. Il se trouve que nous cherchons également la grande étoile de couleur. Peut-être que nous pourrions unir nos efforts pour la trouver. Et puis je vous demander à qui nous avons affaire. Je vais juste faire une micro-ellipse. Je reviens tout de suite. Voilà, tout le monde. Donc après cette petite micro-ellipse, voilà. Un petit appel. Bon, c'est pas très grave. Peut-être que nous pourrions unir nos forces à la trouver. Et puis je peux demander à qui nous avons affaire. Yo. Yo aussi, je suis Peinturion. Et voici Mario. Oui, oui, Mario, le seul et l'unique. La grande toile de couleur. Ah, c'est, il disait... Ah non, la grande toile de douleur, il disait. Oui, tout juste. Ce qui nous amène ici, vous l'avez vu? Moi, c'est Morton. Eh oui, enchanté Morton. Bon, nous avons vraiment besoin de cette grande étoile de couleur, vous savez. Alors, arrêtez de tourner autour du pot, voulez-vous? Mario? Oh, qu'est-ce qu'il a? Mario! Pas de toile de douleur pour Mario. Ok. Morton, de temps, quoi. Oh, purée. Mais t'es sérieux, Morton? Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Waouh, il a fait un trou dans le sol, cette fois-ci. On dirait qu'il a déjà entendu parler de toi. Ce Morton va pas nous faciliter la tâche. Soyons prudents. Oh, purée. Donc, voilà. Un Koopalings. Très bien. Comme si... D'ailleurs, c'est la première fois que les Koopalings apparaissent dans un Paper Mario. Et donc voilà, Paper Mario, c'est super. Parce que les Koopalings, en fait, c'est des super... Enfin, je les trouve trop cool. Certains Koopalings, pas tous. Attendez, je fuis. Oh, purée. Sérieux, la fuite dans ces Paper Mario où il faut mâcher le bouton. Déjà, j'aime pas parce que... Bah, il faut que je le fasse devant vous, quoi. Et en plus, parce que... Ben, en fait, le problème, c'est juste que j'ai pas envie de vous niquer les oreilles. Voilà, c'est ça. Bon, je suis désolé, mais voilà. Voilà, merci. Ouh. Enfin. Oh, bon, il y a un bloc de sauvegarde. Très bien, bon, on va sauvegarder alors. Je suis désolé pour le bruit, hein. Je pense que je vous l'enlèverai au montage, j'en sais rien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme ça. Ben voilà, nickel. Pff, Morton, t'as cru que t'allais nous avoir comme ça? Bon, c'est très bien, hein. Donc, je fais un découpage.
Comme ça, je pourrais aller de l'autre côté de du truc. Nickel. Alors, voilà. Voilà. Je suis désolé, hein. Vous avez un écran de couleur, mais voilà. J'essaie de faire le plus rapidement possible pour vous éviter ça. Et voilà. Nickel. Bon, allons voir Morton. Alors, j'espère que la grande... Ah, ben voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, la grande étoile de couleur. Allez, voilà. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. La toile de douleur, à moi. Là, regarde la grande étoile rouge. Mais on dirait qu'elle a un problème, il faut la secourir et vite. Le méchant Mario a trouvé la toile de douleur. Mais moi, je l'ai trouvée plus vite que Mario. Elle est plus à moi qu'à lui. Elle est plus à moi qu'à lui. Vachement plus. Alors, je vais vous écraser. Je vais écraser Mario. D'accord, très bien. Wow, Morton. Je suis le plus fort. Je suis encore plus fort que plus fort. Oh. Oula, il a un marteau, lui. Mon estrade, vite. D'accord. Pourquoi une estrade? Je suis trop haut. Je suis invincible. D'accord, très bien. Bon, voilà. Alors, nous sommes donc contre Morton. Eh ben, très bien. Alors, ce qu'on va faire, par contre, c'est on va faire deux marteaux Valdingo. Alors là, on va les utiliser. C'est moi qui vous le dis. Alors, les marteaux Valdingo, là, ça va... Là, on va les utiliser, mais beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il a? What? Ok, heureusement que j'ai fait la garde. Très bien. Alors, il lui faut... En fait, je pense que l'estrade, là, il faut que je la démonte. Mais heureusement que j'ai pris des marteaux Valdingo, alors. Alors, qu'est-ce qu'il fait si je fais ça? Alors, voilà. Super. Nickel. Alors, mon estrade, capoute. Ça craint en bas. Je crois plus fort que tout le monde. Waouh! Et là, j'ai pas fait la garde. J'aurais pu faire la garde, je l'ai pas faite. Bon, très bien. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être. Oui, je peux faire. Oh, quoique. Je peux faire ça. Ah non. Et vous voyez pas ce que je suis en train de faire, mais je me demande si je pourrais utiliser une carte truc pour lui. Parce que voilà. Masque rouge. Là, je sais pas. Mascasse rouge. Bon, très bien. On va faire ça, je pense. En fait, on va appeler un mascasse pour nous. Alors, vous allez voir. Est-ce que je peux lui sauter dessus déjà? Oui. Bon, ok. Ah, mais il perd un peu de la couleur. C'est très bien. La prochaine fois, peut-être j'utilise une carte truc. Voilà. Oh, purée, mais à chaque fois, je me loupe, quoi. Et voilà le mascasse. What? Votre allié s'enfuit. Mais pourquoi tu t'enfuis, Mascasse? Mais. Oula. Waouh. Il fait mal, hein. Il fait super mal. Mon estrade, vite. Ouais. Enfin, ton estrade. Ce que je vais faire, c'est. Je vais faire ça, je pense. Je vais faire ça. Je vais utiliser une de mes cartes trucs. Une de mes cartes trucs. Et d'ailleurs. J'ai bien fait de la reprendre. En fait, quand on avait utilisé le ventilateur pour la première fois, c'était pour l'utiliser sur l'élément du décor. Finalement, je l'ai repris chez le marchand qui vend les trucs. Et du coup, je l'ai racheté. Bon, là, je pense que l'estrade, elle va partir. Regardez, même la carapace de Morton, elle est vite. Bon, allez, très bien. Allez, vas-y, l'estrade. L'estrade aussi? Pourquoi elle s'en va pas, l'estrade? Pourquoi l'estrade elle s'en va pas? Je comprends pas. Oh, on lui a fait mal. Pouah, ok. J'aurais pas dû utiliser mon grand marteau maintenant. Ok, bon, alors là. Ah, il fait mal ce petit Morton là. Hein. Je sais pas si... J'ai le feu sacré. Oula. Ah, enfin, tu nous montres ta vraie forme. Enfin, ta seconde forme, plutôt. Alors, très bien, ben écoute, Morton. Je vais t'expliquer comment ça se passe ici avec moi. Ça se passe qu'en fait, tu vas tout de suite déchanter, mais très vite. Parce que j'ai ramassé quelque chose qui va bien nous être utile. Ça s'appelle un extincteur. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on en aurait besoin. Parce que ce boss-là, je l'avais vu dans le trailer.
Et du coup, avec sa seconde forme et tout, ouais, donc je l'avais vu dans le trailer. Alors, vas-y, toi tu vas déchanter, tu vas mourir. Allez, pas mal. Vas-y, on spam le bouton. Alors ça, c'est comme dans Paper Mario Sticker Star. On spammait le bouton sur les cartes trucs. Oh, on lui a fait super mal. Oh, le pauvre. Il est tout raplapla. Plus de feu, plus de marteau. Juste un bâton. Le pauvre. Alors par contre, j'espère qu'il va pas nous attaquer quand même. Ça fera l'affaire. Il nous fait un dégât, c'est tellement ridicule. Bon, alors, très bien. Toi, mon toi. Toi, tu vas mourir. Mais vite fait et bien fait. Parce que j'ai quelque chose qui va te déplaire, mais fortement. Voilà. C'est bon, il est mort. Il est mort. C'est bon, je l'ai eu. Je l'ai fait dégager. J'ai perdu. Et le méchant Mario va prendre la toile de douleur. Le boss me dit de ramener la toile de douleur. Et moi, je me plante en beauté. Je ne suis pas Morton, je suis mort tout court. Oh. Et ben voilà. Le boss. Morton a donc agi sur ordre de quelqu'un. Nous ne sommes pas les seuls à chercher les grandes étoiles de couleur, on dirait. Enfin, nous avons trouvé la grande étoile rouge. Une bonne chose de faite. On dirait que toutes les émotions l'ont vidée. Mario, essaie de lui sauter dessus, ça devrait la réveiller. Ça devrait la réveiller ou le réveiller. Non, la réveiller. Et qu'est-ce que c'est que ça? On va les sourire, ça. Oh, il y a un Toad dessous. Je sais pas si vous avez vu. Ah, alors ça, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est la carte Chat du Bonheur. Voilà. Une statue de félin débordant d'ondes positives. Découverte nichée au sommet d'une tour rouge foncé. Très bien. Et toi? Qui es-tu? Ah, mon Dieu. Mais, monsieur Chabouda, enfin, je veux dire, le chat du bonheur a disparu, et à la place, il y a un Mario. J'ai compris, monsieur Chabouda, t'as envoyé sauver Port Barbouille, c'est ça, Mario. Je savais que ça valait le coup de faire tout ce chemin depuis la ville pour lui demander de ramener la paix ici. D'accord. Et ben voilà, nous avons enfin l'étoile de couleur. Et l'étoile de couleur rouge. Mais ça, c'est excellent, ça. Grande étoile de couleur obtenue. Découverte, j'allais dire. Non, obtenue. Oui. Voilà, on a enfin une étoile de couleur. Une grande étoile de couleur. Oh, vous avez vu, la map a changé. Bon, et alors, du coup, qu'est-ce que ça fait? On retourne à Port Barbouille, c'est ça? Et on va la placer sur le socle rouge. Parce qu'il y avait un socle rouge. Ah. Oh, bah, très bien, ça. Nickel. Bah, merci, la grande étoile de couleur. Enfin, la grande toile de douleur. Très sympa. Voilà, comme ça, ça sera pour le prochain épisode. petit truc jaune. Alors. Alors. Qu'est-ce qu'elle va bien nous dire, cette étoile? Est-ce qu'elle pourra nous remettre de la peinture rouge? Oh, j'en sais rien du tout. Peut-être que si. Hein. La grande étoile la grande étoile rouge a retrouvé sa place à la fontaine de Port Barbouille. Et là, c'est grâce à ton aide. Merci Mario. Ouais. Merci Mario Peinturion. Hein? Ouah, tu as entendu ça? La grande étoile de couleur, elle a parlé. Non, je crois qu'elle s'adresse directement à nos esprits. Mario Peinturion, merci de m'avoir sauvé. Je suis la grande étoile rouge. Comme vous pouvez le voir, toutes les autres étoiles de couleur de la fontaine ont disparu. Pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé, je vais partager avec vous mes souvenirs. Fermez les yeux. Flashback. Ça, c'est excellent, les flashbacks. C'est super. Oh, toutes ces étoiles. Oh là là. Mon Dieu. Oh, ils les ont envoyés. D'accord. Oh, pauvre étoile rouge. Et du coup, elle... Ok, elle a fait un vol plané. Et du coup, elle a atterri sur la montagne. C'est pour ça que Morton est allé la chercher. Très bien. D'accord. Et voilà. Donc c'est pour ça que Bowser n'a pas pu voir que cette étoile avait atterri sur le sommet de Port Barbouille. Elle était visible, hein, pourtant, mais bon. Et voilà.
Mais c'est terrible! Un monstre tout noir a dispersé les grandes étoiles de couleur aux quatre coins de l'île. C'est exact. À cause de ce monstre, nous avons été dispersés à travers l'île Barbouille. Marion Paturion, je vous en prie, retrouvez les cinq grandes étoiles de couleur restantes. Lorsque nous serons tous les six réunis à nouveau, la fontaine retrouvera son apparence d'origine. Ainsi, les peintures des six couleurs vous ouvriront le chemin, de nouveaux chemins. D'accord. Entendu, grande étoile rouge. Nous retrouverons les autres grandes étoiles pour les rendre à la fontaine de Port-Barbouille, sa splendeur passée. Pour rendre à Port-Barbouille sa splendeur passée. Bien dit! Mais avant, célébrons comme il se doit le retour de la grande étoile rouge. Tout le monde danse. D'accord. Ouais, nanana. Et vous avez vu, c'est que les Toads rouges. Hein. Sans... Oh, mais ils sont là, eux! Sans Barbouille, ça s'appelle la musique. D'accord, très bien. D'accord, et vous avez vu, il y a même... Enfin, c'est que les Toads rouges qui chantent. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ça doit être pour augmenter notre cœur, non? Ouais, voilà, augmentation du max de PV, et j'en ai 75. Waouh, pour te remercier de t'avoir sauvé, la grande étoile t'a rendu plus puissant, Mario. Enfin, si on savait où les grandes étoiles de couleur ont été renvoyées, ce serait plus facile de les retrouver. Et puis ce monstre noir nous a été... Ce monstre noir doit être super giga costaud pour avoir réussi à les envoyer à main nue. Qui peut bien être assez puissant pour éparpiller ces grandes étoiles de couleur aux quatre coins de l'île Barbouille. Enfin, les grandes étoiles de couleur. Waouh, Mario! C'est qui? Oula! Oh putain, il fait super peur. Bowser. Comment tu trouves mon nouveau look? Ça en jette, non? Je sens la puissance grandir en moi. Peint en noir. Je suis invincible. Je m'emparerai de force de tout ce que j'ai envie. Waouh! Oula! Oula là là! Ah, le pauvre bateau avec plein de sparadrap. Qu'est-ce que c'est? Peach! Oh bon, ça change pas d'habitude. MDR. C'est pour ça que maintenant il y a des cœurs, c'est parce qu'elle peut plus nous soigner. Mais ouais, c'est terrible, Bowser a envoyé la princesse Peach. Tu dois la sauver, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Une seconde, Mario. Une seconde, Mario. La sauver? Je veux bien. Mais comment? Qui sait où ce bâton volant? Qui sait où ce bâton volant? J'ai pas lu. Et puis, tu as vu Bowser? Non, il était tout noir. Ça ne fait aucun doute, c'est lui le monstre noir qui a éparpillé les grandes étoiles de couleur. C'était un peu logique, hein, il avait la même bouille. Hein. Oh, mais c'est... Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un Holo Peach? Les Holo Peach sont des messagers automatiques en forme de princesse Peach qui transforment ses messages. Même si elle a été enlevée, elle a quand même pu t'envoyer un message. Une Holo Peach, tiens. Ouah, c'est un hologramme de la princesse Peach en 2D, on dirait la vraie. Mario, j'ai été enlevé par Bowser. Ce monstre est encore plus terrifiant qu'avant. Et ce n'est pas seulement de la peinture noire dont il est recouvert à présent. Je ne pense pas qu'il va me faire du mal, à moins que... Je passerai de temps en... Attendez. Je me sens... je ne pense pas... Ça va, il est tard. Ça fait 40 minutes que je tourne, ok? Je ne pense pas qu'il va me faire du mal, mais moins. Je passerai de temps entre les griffes de cette crapule, mieux je me sentirai. J'ignore où les bateaux volants me conduisent. Mais aussitôt que je l'aurai découvert, je t'enverrai un nouvel Holo Peach. Au secours, Mario. Mes derniers espoirs reposent sur toi, Princesse Peach. Et voilà. Merci beaucoup. Eh bien, on dirait que la princesse est saine et sauve pour le moment. Quel soulagement. Je sais, la grande étoile rouge a dit que si on rendait à la fontaine son apparence d'origine, le chemin s'ouvrirait à nous. Donc si on rassemble toutes les grandes étoiles de couleur, le chemin pour aller délivrer la princesse Peach s'ouvrira sûrement. Il faut y croire. Allez Mario, allons chercher les grandes étoiles de couleur restantes. Très bien. Yeah. High five. Sauvegarde. Merci. Et voilà, examinez, qu'est-ce que c'est ça? Mario, tu peux compter sur notre soutien. Frappe simplement un puits de notre fontaine avec ton marteau. S'il est rempli de peinture, tu feras jaillir ainsi une myriade de gouttes de la peinture correspondante. D'accord, ok. Bout de la clé, permettant de... Souhaites-tu plonger dans mes souvenirs? Non, non, non.
Alors, et qu'est-ce que ça fait si je le frappe, du coup? Ah, d'accord. Ah, ça nous donne la peinture rouge. Ok, très bien. D'accord. Mais c'est super, ça. Oh, par contre, ça lag. Hein. Je sais pas si vous avez vu, regardez. Aïe, 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 aïe. Ça lag, ça lag, ça lag. Mon Dieu. Bon, voilà. Bon. Eh bien, sur ce, on va finir cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu, on aura trouvé la grande étoile de couleur. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Et moi, je pars faire le montage parce que c'est 42 minutes d'épisode. Non, je rigole. Donc voilà, j'espère que vous l'aurez apprécié. On aura sauvé la grande étoile de couleur rouge. Ma couleur préférée, il nous manque donc la couleur orange, la jaune, la verte, la bleue et la violette. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve dans notre épisode de Paper Mario Color Splash. Bisous à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.